Salut, c'est Fratello, on est au magasin et je vais vous parler un petit peu des vélos cargo. On nous demande souvent au magasin quelle est la dimension de la surface de chargement, combien on peut mettre d'enfants et jusqu'à quel âge, et quel poids maximum on peut mettre dedans si on veut s'en servir pour transporter des affaires. Pour le plus petit de nos vélos cargo, le Paxter 40, la longueur de la surface de chargement fait 40 cm et 37 cm de large. Vous pourrez y mettre facilement un enfant jusqu'à 10 ans, parce qu'il sera dos à la route, donc il ne va pas taper dans le guidon. Pour son grand frère, le Paxter 60, la surface de chargement fait 60 cm de long par 65 cm de large. Vous pourrez y mettre facilement deux enfants jusqu'à 8 ans. Et vous pourrez charger jusqu'à 100 kg maximum lui aussi. Le plus grand de nos vélos cargo, c'est le Paxter 80. 80, c'est la longueur de la surface de chargement par 65 de large comme le Paxter 60. La spécificité, c'est qu'il a exactement le même habitacle que le Paxter 60 pour vos enfants. Donc vous mettrez deux enfants de 8 ans maximal. Par contre, derrière, vous bénéficiez de 20 cm de plus derrière le dossier des enfants pour pouvoir charger des affaires, des cartables, des courses ou votre antivol par exemple. Le dernier, mon chouchou, c'est le LOD. Dans celui-ci, vous avez une surface de chargement qui fait 60 cm de long, mais qui est beaucoup plus étroite que les Paxter 60 et 80, puisque vous n'avez que 40 cm de large environ. Vous mettrez deux enfants jusqu'à 6 ans maximal. En termes d'accessoires pour couvrir vos enfants, vous avez disponible des capotes sur les Paxter 60, 80 et le LOD. Pour le Paxter 40, vous n'aurez uniquement une bâche, votre enfant ne sera pas protégé de la pluie. Au magasin, en tant que Rizé Müller Experience Store, évidemment, nous avons tous les vélos à laisser. Donc je vous invite à venir avec vos enfants et puis on ira faire un petit tour, comme ça vous pourrez vous faire une idée par vous-même. Allez, à bientôt!